en compagnie de Mathieu qui va nous dire déjà qui vous êtes. Donc je suis le chargé de projet du CAC, je coordonne l'ensemble du dispositif du CAC. D'accord, alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée aujourd'hui? Ah bah c'était une super après-midi avec beaucoup de rythme, beaucoup d'investissement de chacun des participants. Et puis bon, on a appris des choses, y compris moi, j'ai appris des choses. Et puis voilà, beaucoup une bonne ambiance, je trouve. C'est fait dans une ambiance très chaleureuse. On est d'accord, et surtout qu'ils étaient très enthousiastes, les jeunes. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre rôle de coordinateur? Donc c'est permettre, je suis le relais avec les financeurs, le relais avec les responsables des centres de formation, et puis de permettre aux référents de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. D'accord, donc par rapport à cette journée, les conditions étaient parfaites? C'est parfait, c'est organisé donc par Fodeno, et ça a été très bien organisé, très rythmé au terme de timing et du temps passé. C'était vraiment très intéressant. Ouais. C'est super intéressant aussi qu'on soit devenu très moderne, puisque désormais c'est plus un stylo, mais c'est un téléphone. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette arrivée vers la technologie ou le numérique? Bah, ça rajoute non seulement, je trouve, un intérêt pour les participants, et puis effectivement, c'est en phase avec ce qui se fait, avec ce que les stagiaires vont rencontrer dans le cadre professionnel, donc l'utilisation du smartphone dans des conditions très diverses et variées. D'accord, donc pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bon, je pense que cette opération peut même se renouveler au mois de septembre-octobre. Ce sera à réfléchir avec les collègues qui ont monté le projet, mais peut-être de remettre ça en place tous les trimestres. Ça pourrait être intéressant tous les trimestres de refaire ce genre de manifestation, parce que je pense que ça peut être multiplié. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Mais c'est moi, merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bien, alors nous sommes donc avec deux femmes que j'ai vues en fait pendant le quiz. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Stéphanie Benlarbi de l'AFPA. Oui. Béatrice Ferré, référente CAC sur l'AFPA également. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Comment vous l'avez vécue? Donc moi j'ai trouvé que c'était très convivial déjà, les personnes étaient très à l'aise et se sont toutes prises au jeu, quelles que soient les catégories, vraiment l'ambiance était très bonne et puis tout le monde a joué le jeu et tout le monde a pu repartir avec un petit cadeau, donc je trouvais ça aussi très sympathique. D'accord. Et pour vous? J'ai trouvé ça assez ludique avec l'application sur les téléphones, les smartphones et compagnie. Donc tout le monde s'est vraiment bien prêté au jeu et ça a créé vraiment une belle animation, une belle cohésion, je trouve, dans les équipes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il faudrait des événements comme ça un peu plus? Moi, je pense qu'il faut favoriser ce type d'événement qui permet aux stagiaires de se rencontrer, aux groupements aussi de se rencontrer et de faire en sorte que voilà, on parle au nom d'un seul dispositif qui existe aujourd'hui et qui est très important pour accompagner toutes ces personnes dans leur insertion. Très bien dit, un mot à rajouter peut-être? Non, je crois que Stéphanie a tout dit. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous répondre et je vous souhaite une bonne continuation. Merci Également. à vous. Merci beaucoup.